Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous montrer ce que j'avais fait ce week-end. Enfin, je l'ai commencé ce week-end avec très très peu de matériel et du coup, ben là, je viens de le finir. Voilà, enfin fini, on peut rajouter encore des petites bricoles, mais en gros, il est fini. Donc je voulais vous le montrer. Donc il s'agit d'un album Gorgeous, voilà, que j'ai fait avec la reliure, la cinch, enfin avec la machine cinch. Voilà, il est relativement simple. Si vraiment vous voulez le tuto, ben dites-moi-le, j'essaierai de vous le faire. Quand je sais pas, mais peut-être pas de suite quand même, parce que j'ai pas mal de trucs à faire encore, mais j'essaierai de vous le faire. Voilà, donc je l'ai fait avec ce bloc, enfin ce kit Gorgeous. Donc on a tout ça derrière. Je l'avais un peu entamé déjà, et voilà. Donc je l'ai fait avec ça. J'ai complété avec, qu'est-ce qu'il m'en reste, avec ce bloc là, mais alors il m'en reste vraiment pas beaucoup, voilà, parce que je trouvais que ça se mariait bien avec ces papiers là. Donc voilà, donc alors je vais faire doucement parce que c'est pas tout à fait sec. Pour la couverture, ah oui, d'abord je vais vous dire les dimensions. Les dimensions, il fait du. La couverture fait du 20 de large sur 21. Voilà. Donc, je suis venue faire un shaker, mais je n'ai pas fait comme on a l'habitude de faire, la mousse 3D, tout ça, parce que je vous avoue que j'avais pas la patience de faire avec tous les petits carrés. Passer 2 heures après enlever le petit papier et tout. Et puis j'ai moyennement confiance avec cela. Pour les shakers, hein, entendons-nous bien. Donc après je rajoute de la colle et tout, fait bon. Et du coup, bah en fait, au lieu de mettre les carrés de mousse, moi j'ai mis la silicone. Voilà. Donc toujours la même. Et j'avoue que c'est pas mal. C'est même mieux que les mousses. Parce que ça bouge très bien à l'intérieur, comme vous voyez. Voilà. Donc, mais bon, par contre, il faut attendre que ça sèche un peu. C'est pas tout à fait sec. Donc, la couverture, je suis venue faire un shaker avec, vous savez, les boîtes, les gorgeous, souvent, ben, c'est décoré à l'intérieur. Il y a plein d'étiquettes à découper. Ou alors on garde le fond comme ça. Enfin, ça c'était dans l'autre kit, hein, parce que dans celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans à récupérer à part ça. Ou du papier simple, du coup. Voilà. Mais là, c'était celui de l'autre fois. Et donc, du coup, ben, je suis venue faire mon shaker avec ça. Donc, ben, le rond, ben, j'ai rien fait à part couper à la bonne dimension. Et pour celui de dessous, ben, c'est le même. Dans les kits, vous avez ça, et à l'intérieur, il y a la gorgeuse qui ressort. Ben, c'est ça. Voilà. Donc, je suis venue coller mon fond après avoir vérifié que c'était bien la même taille. Hein, par contre, les deux, je suis venue mettre de la silicone. J'ai mis mes petites étoiles. C'est des petites fioles comme ça. Il y en a quand même 4 ou 5 dedans. J'ai fait un mélange de couleurs. Puisque Gorgeous c'est assez coloré, donc du coup voilà, il y a du rose, du vert, du blanc, du fuchsia, et je crois que c'est tout. Voilà, ouais. Et donc après, sur mon papier de devant, du coup je suis venue coller ben, du, voilà, j'ai perdu le nom, aidez-moi, vous savez, le papier transparent là, du rhodoïde, voilà. Je suis venue mettre tout autour de la mousse 3D, voilà, pour garder l'épaisseur, pour que ça bouge bien quand même. Et ben, je suis juste venue le coller dessus, tout simplement, sans trop appuyer autour, puisque c'est la silicone. Et voilà le résultat. Là, pour le ruban, je suis venue couper
Oups, pardon. Je suis venue couper mon papier là pour passer mon ruban. Voilà. Et je suis venue juste coller une petite gorgeous. Là, c'est un apeuron avec une étiquette collée tout simplement dessus. Elle est ancrée par contre avec la distress noire. Là, qui est là. Voilà. Après, je suis venue mettre une dentelle fine. Vous voyez, elle est fine. Et après, je suis venue coller, faire un encadrement avec des perles, tout simplement. Là, j'ai juste mis un bout de ruban, mais j'en mettrai beaucoup plus, ou alors je l'enlèverai. Ça dépendra, je sais pas, on verra. Et, pardon, là, il y a juste un nœud à défaire. Et on ouvre comme ceci. Alors, bah là, forcément, le papier se suffit à lui-même. Alors là, les couvertures, je ne les ai pas travaillées parce qu'il y avait déjà beaucoup d'épaisseur. Donc, je n'ai pas travaillé l'intérieur. J'ai fait plutôt très simple. Donc, bah, on a le papier gorgeous. Là, je suis venue coller une dentelle, mais bien sûr, c'est une pochette. Voilà. Et là, c'est une étiquette que j'ai collée. Je suis venue mettre deux petites perles. Et là, tout le long, j'ai mis des perles. Voilà. C'est des perles violet très clair. Voilà. J'aime bien cette couleur. D'ailleurs, j'en ai plus. J'aimerais bien qu'ils en ressortent. Parce que ce serait super sympa. Donc voilà. Ensuite, là, ben, je suis venue. Alors, toutes les pages ont la même structure de départ. D'accord? Elles ont toutes leur abat-là. Et là, on peut mettre un tag. D'accord? Je ne l'ai pas encore fait, moi. On peut mettre un tag. Et après, par contre, c'est l'intérieur qui change. Mais vous connaissez, vous savez que j'aime pas trop faire les mêmes pages, les mêmes trucs. Donc, voilà. Alors là, c'est aimanté. Je suis venue faire comme une étiquette. Hein, voilà. Donc là, on a aussi une gorgeous. Là, j'ai rien fait parce que je trouvais que c'était assez chargé. Là, je suis venue faire comme une pochette avec une dentelle. Voilà. Un petit ruban très fait. J'aime bien ces dentelles sur des papiers chargés surtout parce que du coup, c'est discret. C'est pas les grosses dentelles. Voilà. Par contre, je n'ai pas mis de perles à cause de l'épaisseur. Voilà. Là, nous avons un volet. Et là, ben, j'ai rien fait puisque ça se suffit à lui-même. C'est assez chargé. Et là, je suis venue faire une cascade à tirette. Voilà. Donc, hop. Tout simplement. Je n'ai pas mis de papier décoré puisque ça fait la taille, ça fait 15,5 sur 10,5. Donc pour des photos 10-15, il n'y a que un léger trait de noir qui va dépasser. Donc du coup, coller du papier dessus, ben, c'est le gâcher. Donc j'ai pas collé de papier. Voilà. Hop. Ensuite, pour cette page-là, ben, toujours pareil, même structure de page, donc on a le rabat. Je suis venue mettre juste un tag qui n'est pas collé, comme ça on peut glisser une photo, un mot, ce qu'on veut. Là, ben, j'ai récupéré l'étiquette avec la ficelle parce que j'aime bien et je trouvais que ça allait bien là. Voilà. Donc, tout simple. Là, j'ai rien fait à part un petit mélange de papier. Là, pareil, c'est assez chargé. Et là, à l'intérieur, je n'ai fait que mettre de la dentelle pour dire qu'on peut mettre plusieurs photos là. Voilà. C'est pas collé, même en haut. Mais après, j'ai rien fait d'autre pour des raisons d'épaisseur. Et puis après, il faut penser qu'il y a les photos aussi dedans. Donc voilà. Là. Ben pareil, une étiquette. On retrouve toujours la même structure de page. Une étiquette aimantée, un bout de dentelle. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà.
au bout de dentelle. Là, derrière, je suis venue mettre juste un tag gorgeous. Un petit bout de dentelle, là, manière, mais très discret. Hein. Vous remarquez qu'il n'y a pas trop de dentelle non plus. Hein. Ensuite, ben là, je suis venue faire une pochette. Voilà. Avec une gorgeous. Voilà. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, ben pareil, on retrouve une pochette avec un bout de dentelle et une gorgeous. Voilà. Et là, et ben, j'ai pas pu m'en empêcher, une tirette. Pourquoi j'ai fait des tirettes comme ça? Alors déjà, j'avais vraiment pas beaucoup d'ébats. Et encore, heureusement qu'il s'était collé au ciseau, parce que sinon, je n'aurais pas eu du tout. J'ai complètement oublié les aimants. Je n'avais pas d'aimants, je n'avais pas d'attache parisienne, j'avais pas de ruban. J'en ai acheté là-bas, mais après, j'ai pas trop travaillé quand je les ai achetés, parce qu'on allait se promener tout le temps. Enfin, voilà. Donc, du coup, ben, j'ai trouvé cette solution. En plus, je n'avais pas ma règle. Donc, autant vous dire que pour arriver à coller droit la cascade derrière le papier, tout fait bon. Du coup, moi, j'ai trouvé cette solution. Et du coup, c'est moins épais aussi que si j'avais fait une cascade normale. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour des cascades à tirettes. Donc, ben voilà. Là, hop, pareil que tout à l'heure. Pareil, j'ai pas mis de papier déco à part juste dessus, mais c'était vraiment manière parce que voilà, j'estime que c'est bête puisqu'après on va mettre les photos dessus. Voilà, hop. Toujours pareil, on a la pochette, enfin ça fait pochette à l'intérieur, donc on peut mettre un tag. Oups. Ensuite. Voilà, c'est toujours pareil. J'ai toujours un peu de mal avec le passage au début de la reliure. Mais après, il paraît que ça se fait tout seul. Donc voilà, là, bah, pareil, même structure de page. Donc, comme ceci. Là, on a une étiquette aimantée. Là, on peut écrire, hein, puisque c'est fait pour. Hein, regardez, il y a les traits et tout. Voilà. Là, je suis venue mettre une gorgeous qui n'est pas collée, comme ça on peut glisser une photo. Ben, là, pareil, sauf que la gorgeous, elle est collée sur le côté et en bas. Donc, on peut glisser quelque chose là, en fait. Voilà, ça, là, j'ai rien fait à part un bout de dentelle, hein, parce que c'est assez chargé comme ça. Là, j'ai fait un petit rabat. Pour maintenir la petite cascade que j'ai fait, j'en ai fait une. Donc voilà, avec une étiquette gorgeous, pardon. De l'autre côté, c'est pareil, c'est gorgeous aussi. Voilà. Là, par contre, j'ai été obligée de la mettre bah, dans le même sens par rapport à la découpe. Donc, tant pis, c'est joli quand même. Hein. Et là, je suis venue faire une cascade. Donc là, il n'y a que là où j'ai mis... du papier à cause de l'aimant pour le cacher. Donc voilà, donc nous avons une photo à mettre. Donc voilà. Et là, ben, j'ai rien fait à part du papier. J'ai fait une pochette en bas pour qu'on puisse glisser plusieurs photos si on a envie. Là, juste un ruban, enfin une dentelle violette. Et puis voilà, là c'est tout. Et pour la dernière page, ben, j'ai fait pareil, un rabat avec un tag juste qui n'est pas collé. Là, pareil, juste un petit tag qui n'est pas collé. Là, j'ai rien fait parce que c'est assez chargé. Voilà. Là, nous avons un premier volet. J'ai juste mis un bout de dentelle en haut en bas qui n'est pas collé. Manière, voilà. Et comme vous voyez, ça gâche pas le dessin. Ça surcharge pas le dessin non plus. Donc, c'est pour ça. Après, je voulais pas en mettre partout non plus de la dentelle. J'aurais très bien pu en mettre partout. Mais franchement, ça aurait fait beaucoup trop.
Donc c'est pour ça, j'en ai mis que par-ci, par-là. Là, pareil, nous avons un tag qui nous sert d'arrêt. Là, j'ai fait un passant avec un bout de dentelle. Donc, comme ça, hop. Voilà. Ensuite, là, ça s'ouvre de ce côté. Et là, j'ai rien fait parce que ça suffit largement. Voilà. Et ensuite, on a encore un volet. Et quand on ouvre, ben, c'est du papier gauche avec une pochette. Voilà. Donc ça. Et pour finir, ben, la dernière page, un peu pareil. Juste un bout de dentelle en haut en bas qui n'est pas collé entièrement. Un rabat. Voilà, où je n'ai rien fait, hein, à part un petit mélange de papier, mais c'est tout. Là, pareil, nous avons un rabat comme ceci, avec juste un bout de dentelle en bas qui n'est pas collé. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais je me répète, mais bon. Là, j'ai rien fait parce que ça suffisait. Donc là, et là, on ouvre de l'autre côté, et pareil, ben, j'ai rien fait de plus parce que ça suffit à. C'est assez chargé. Donc voilà. Donc là, et puis c'est tout. Ouais, voilà. Ouh, j'étais perdue donc. Et là, ben, je n'ai rien fait du tout à cause de l'épaisseur. Le papier est assez chargé, donc. Peut-être je rajouterai un bout de dentelle en bas, manière de faire une petite pochette. Mais après, ça s'arrêtera là, puisque ça, il y a trop d'épaisseur après. Puisqu'il faut penser qu'il y aura les photos. Et pour le dos, je n'ai rien fait d'autre à part coller ce superbe papier. Voilà. Je fais que le tampon et rien d'autre, puisque c'est suffisant. Donc voilà. L'album Gorgeous que j'ai fait ce week-end, que j'ai commencé ce week-end et que j'ai pratiquement fini tout à l'heure. Donc ça, je vais pas y arriver. Bon, je ferai après. Je ne suis pas douée pour les nœuds, vous le savez. Vous me connaissez maintenant. Donc voilà. Un jour, peut-être j'y arriverai. Donc voilà, pour ce qui est de finir la déco, ben ça dépendra de qui c'est qui l'aura. Donc après, moi, on peut y mettre un prénom, là ou là. Enfin, ça dépend vraiment. On peut rajouter après des trucs, mais ça vraiment, ben, ce sera à la fin, quand je serai où il va. Voilà. Donc ça. Pareil pour les rubans sur le côté, je vais en mettre un peu partout. Mais pareil, j'attends de voir. J'attends de voir, voilà. Non, ben c'est tout. Donc si le tuto vous intéresse, dites-moi-le. J'essaierai de vous le faire, ben, dès que je peux. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, papier noir 170, 160 grammes ou 210 grammes, je ne sais plus. Trophée. Un bloc Kit Gorgeous. Ce papier-là. Ou autre, hein. Moi, c'est parce que j'avais celui-là sous la main que je trouvais qu'il allait bien avec les papiers à l'intérieur. Hein, mais après. Vous le voyez. Donc voilà. Et puis le tour est joué. Pour la reliure, si vous n'avez pas la cinch, vous pouvez ben, les faire avec la crotte d'ail ou autre perfo qui fait des petits trous. Voilà. Donc, ou alors vous pouvez le transformer au lieu de faire cette reliure. Vous faites une reliure accordéon comme j'ai l'habitude de faire. Ou, enfin, il y a plein de reliures à faire. Faut juste adapter au début par rapport aux pages, mais après c'est tout. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.